pas votre jour, on dirait. J'ai jamais été très doué pour les simulations. Je viens d'avoir la NSA. On a un problème au Timor oriental. Quel genre de problème? Un gros problème. C'est exactement ce que vous devez découvrir. Fisher, c'est vraiment votre grand retour au front. Travaillons un peu notre discrétion. L'invisibilité est votre meilleur atout. Sur vos vêtements, il y a un réseau de photocellules. Elles sont reliées à un compteur de visibilité sur votre montre terminale. Au-dessus de 3, vous êtes un vrai sapin de Noël. Et ne sortez votre arme qu'en dernier recours. Ok, Fisher. Avant que vous ne partiez pour l'ambassade, laissez-moi vous présenter Dermot Brunton, notre consultant de la CIA. Vous vous êtes déjà rencontrés, je crois.
Il a du nouveau. Je vais faire court. Je suis très excité à l'idée de faire partie du groupe. Bon, l'état-major veut éviter que ça se termine dans un bain de sang. Il faudra faire preuve de discrétion. On ne peut pas risquer la vie des otages. Compris, mais avec tout le respect qui vous est dû, laissez la parole à Lambert autant que possible. Je n'ai vraiment pas besoin d'un concert de voix dans ma tête. Entrez dans l'ambassade. Nous n'avons pas la moindre idée de ce qui se passe à l'intérieur, alors avancez doucement. Grimm a trouvé un autre moyen d'entrer. Tu dois à tout prix éviter la porte principale.
D'après les plans, un ruisseau artificiel passe sous l'entrée. Ça peut être un bon passage. Fisher, vous avez entendu ? Va falloir vous mouiller. Avancez doucement pour faire un minimum de bruit. Fisher, soyez prudent. La situation se dégrade à l'intérieur de l'ambassade. Je crois qu'ils ont commencé à exécuter les otages. Lambert, j'ai un homme en travers de ma route. Je peux faire un carton ? Juste une fois ? Non. Au contraire, on veut que vous vous fassiez des amis. Si j'en crois le fichier, cet homme est un des lieutenants de Sadono. Interrogez-le. Il a sûrement des précisions à vous donner sur leur système de défense. Les résultats de nos écoutes étaient très vagues sur ce point. Consultez votre montre terminale pour les détails. J'ai besoin de renseignements. Je parle pas votre langue. Vraiment ? Je suis sûr que tu te sous-estimes. Attendez, je parle un peu. Tu vois quand tu veux. Je vais à l'intérieur dire bonjour à tes petits copains, t'as rien à me dire ? Ils sont armés. Armés ? Tu m'en diras tant. Quoi d'autre ? Ce sont mes hommes qui ont posé les mines en partant. On devait escorter défendre le village. Escorter qui ? Personne. Escorter qui ? Personne ! Je disais ça comme ça. Pour la dernière fois. Je ne me rappelle pas son nom. Quelqu'un d'important pour Sadono. Avec un accent américain et une jambe artificielle. Il était chauve avec un regard de fou. Une jambe artificielle ? Oui. Tuez-moi si vous voulez, mais je ne sais rien d'autre. Tuez-moi si vous voulez, mais je ne sais rien d'autre. Valim, t'es là ? T'as du feu, s'il te plaît ? Hé, Valim, tu m'entends ? Oh.
D'après les fiches stratégiques, il s'agit d'une prise d'otages. Des militants indonésiens. Exact. Sauf que les otages ne sont pas votre parti. Vous êtes là pour recueillir des informations, spécialement celles détenues par Douglas Shetland. C'est votre principal objectif. Nous devons à tout prix savoir si ces informations ont été piratées. Fisher, ne bougez plus. Ne respirez plus. Suadi Sadono est au-dessus de vous. S'il vous voit, la mission est terminée. Mais pourquoi moi? J'ai rien vu. Ni entendu? Rien. Seulement Pandora Tomorrow, le reste était incompréhensible. Ah. Du charabia. C'était du charabia. Je vais te libérer. Merci. Merci. Shetland est à l'écart des autres? Absolument. Kim n'ouvrira la porte que si je lui en donne l'ordre par radio. On pourrait lui briser les phalanges. Je suis sûr qu'il parlerait. Peut-être. Mais allez-y doucement. Et prenez votre temps. Pitié, ne me tuez pas. Ne tirez pas, je suis américain. Parle, tu entends? Où est-il? Je suis là pour te surveiller, c'est pas un 4 étoiles ici. Ne me pousse pas à bout. Douglas, ça fait un bail. Fisher? Ça alors, t'as pris un coup de vieux. T'es encore entier. Où est la cavalerie? Je bosse en solo. Ça fait des lustres que j'ai pas eu d'équipe. Mais tu travailles pour qui? Je suis là pour limiter la fuite d'informations et donc détruire ton petit matériel. Dieu soit loué. C'est la CIA qui t'envoie? Non, c'est la Providence. J'ai essayé de le détruire, mais... J'espère qu'il n'est pas trop tard. Des personnalités du monde entier m'ont consulté pour assurer leur sécurité. Pour qui tu travailles? La Delta? N'insiste pas, tu ne sauras rien. Tiens, prends cette carte mémoire. Je l'ai prise à un guérillero que j'ai tué. Merci. Comment tu as fait pour la dissimuler aux gardes? Contente-toi de te laver les mains quand tu auras terminé. Le cryptage utilisé était simplissime. Mais le message qu'elle contient est incompréhensible. D'après Brunton, il s'agit d'un dialecte indonésien. Il nous faudrait un traducteur. On connaît seulement le pseudo de l'expéditeur, Pingouin Estropié, et quatre mots dans le corps du message. Redbird.
Je suis américain. Ce que j'ai à vous dire ne va pas vous plaire. Au point où j'en suis. Si l'on en croit les caméras de sécurité, un seul garde surveille la cour. Il est équipé de lunettes de vision nocturne. Il y a un projecteur automatique qui fonctionne toujours. Servez-vous-en comme protection. C'est votre seule chance de rester invisible. Vous me demandez de rester dans la lumière, c'est bien ça? Je vous avais dit que ça ne vous plairait pas.
Ingrid. Vous êtes sûrement mon mystérieux rendez-vous. Le coup de la torche, c'est tout ce que j'ai trouvé. Désolé. C'était parfait. Tant mieux. Vous savez, on n'est pas formé pour ça dans l'administration. À la base, je ne suis que linguiste. Ça tombe bien, tenez. Pas mal, votre engin. Vous économisez pour vous offrir le modèle couleur ? Vous pouvez le déchiffrer ? C'est du mandaï phonétique. Ce n'est pas la langue maternelle de l'auteur, mais il se débrouille bien. 48 57 Nord, 03 08 Est, 18h. La seule référence à un lieu, c'est Saulnier. Ce n'est pas du mandaï. Il ne reste plus que quelques semaines pour sécuriser les ingrédients de la démonstration de Springfield. Voilà, c'est à peu près tout. C'est signé Pingouin Estropié. Pingouin Estropié ? Je vais vous donner un conseil. Oubliez tout ce que vous avez vu et entendu. Croyez-moi, c'est pour votre bien. Ça ira si je vous abandonne ici ? Si je réponds non, vous resterez ? Non. Bien joué, Fisher. Les coordonnées et le nom Saulnier désignent un seul et même endroit, un laboratoire de cryologie à Paris. On vient d'avoir un message de la Delta. Ils envoient leurs hommes. Dans ce cas, vous avez carte blanche. Joyeux Noël, Fisher. Descendez tous les guerriers que vous voulez. Il y a une issue tout en bas, à la base de la tour. Cohen vous attend dans le village. L'Osprey ne peut pas se poser dans le village. Cohen craint qu'il ne soit une cible trop facile. Il volera aussi bas que possible et te récupérera au bout de la jetée. Tire sur tous les projecteurs du village. Quelqu'un ?